Aucune pitié pour les trafiquants de drogue, c'est le message qu'a tenu à rappeler ce lundi Rodrigo Duterte lors d'un discours à Manille devant les forces de l'ordre. Habitué aux phrases choc, le président philippin s'est une nouvelle fois illustré en s'adressant au chef de la police d'une ville dont le maire a été tué lors d'une opération anti-drogue. Si la personne que vous devez arrêter résiste avec violence, qu'elle mette en danger la vie des policiers, des militaires, vous êtes libre de tuer les idiots. Cette guerre sans merci contre les trafiquants de drogue a déjà fait plusieurs milliers de morts. L'opposition dénonce une multiplication des crimes de l'ombre. Ce qu'il se passe dans notre pays ne peut plus durer. Pour condamner les méthodes brutales de Rodrigo Duterte, ces Philippins, des religieux défenseurs des droits de l'homme, hommes politiques ou artistes, viennent de former un mouvement contre la tyrannie.